Hey guys, welcome or welcome back to my channel. First of all, bonne année. Je sais que je viens un peu tard quand même, mais je voulais vous souhaiter une bonne année, que pour vous ce soit une année de réussite, du bonheur, bref, du positif quoi. On veut que du positif pour ce 2019. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo. Qui est des my unpopular opinions, so mes opinions impopulaires. Voilà, j'ai appris à le dire. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Et aussi, je voulais vous dire une chose, vu que c'est la première vidéo que je vais poster cette année. En fait, ce que je vais faire cette année est que je vais recommencer à faire des vidéos aussi en italien, vu que toutes mes dernières vidéos, je parle de celles que j'ai supprimées en soi. Par rapport à mes anciennes vidéos, je parle tout le temps français. Et c'est même plus, ça fait combien de temps j'ai pas filmé en italien, franchement. Et comme j'ai quand même des gens, des italiens qui me suivent, ça me fait un peu... Enfin, c'est pas que ça me fait mal, mais je trouve que c'est pas correct que je fasse que des vidéos en français. Donc ce que je vais faire est que je vais faire des vidéos en français et en italien, et je vais sous-titrer toutes les vidéos, toutes les vidéos que je ferai, tout le monde pourra les voir, pourra comprendre ce que je dis, parce que voilà, il y a plein de gens qui m'ont demandé de faire des vidéos en français, mais de base je suis italienne, donc de base les gens qui ont commencé à me suivre c'est des italiens. Et je sais pas, on dirait j'ai des amis à l'écart, vous voyez ce que je veux dire, en fait je me sens un peu coupable. Mais comme je veux que tout le monde comprenne, que tout le monde puisse venir sur ma chaîne, donc je vais faire ça. Donc si je fais des vidéos en italien, ne vous inquiétez pas, les francophones, I got you, idem les italiens, I got you. Donc on passe à la suite de la vidéo. Voilà, j'en ai pas mal. Donc pour commencer, selon moi, les frites du McDo et la glace du McDo, donc glace en soi ou McFlurry, c'est le feu, c'est trop bon, je vous jure. Au début, genre avant, j'avais des potes qui mangeaient ça. Et je leur disais, mais vous, ça va pas, vous êtes de ouf quand vous faites à mélanger les frites et la glace, ça doit pas être bon et tout. Mais j'ai jamais goûté, vous voyez, je disais juste c'est pas bon, parce que l'idée en fait de mélanger ces deux choses, je me disais non, ça peut pas être bon, ça peut pas être bon, alors que non, j'ai fait la découverte de ma vie, je vous jure, c'est... J'ai raté pendant toutes ces années, j'ai raté, je vous jure, c'est trop bon. En fait, goûter, vous pourrez croire. Ensuite, je trouve que la crème chantilly, c'est pas bon. C'est pas bon, j'aime pas... en fait, le problème, en fait, dans les gâteaux, je peux encore manger, vous voyez, parce que je trouve que c'est pas, en fait, c'est travaillé, c'est mélangé, il y a des autres trucs, vous voyez, donc je trouve que ça peut aller, mais celle que, par exemple, on achète au supermarché, c'est, je peux même plus voir ça, parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai mangé ça. Comme je buvais de l'eau, je mangeais ça, je prenais ça, je mettais sur ma main, je mangeais, je mettais ça dans ma bouche, je mangeais, je partais chez mes voisins, on mangeait que ça, mais tout seul, vous voyez. Et déjà, ensuite, selon moi, par rapport au fait que j'ai vécu en Italie et par rapport aux gens de mon âge, si vous voulez, j'aime pas trop la musique italienne. Je n'écoute pas des musiques italiennes. Genre avant, peut-être il y a 10 ans, j'écoutais quelques chanteuses, vous voyez, des chanteuses, des chansons d'amour, tout cute, tout ça. Même parfois, ça m'arrive, genre leurs chansons, ça passe, vous voyez, quand une chanson vous rentre dans la tête sans que vous le vouliez. C'est exactement ça, c'est ça, c'est ça. Mais pour le reste, genre les chanteurs connus, les grands chanteurs italiens, bah, j'écoute pas, hein. Jamais je prends, par exemple, si je dois écouter de la musique, je vais mettre de la musique française ou américaine ou africaine en général. Je vais pas aller chercher des chansons italiennes, je sais pas. Ensuite, les vidéos ASMR des gens qui mangent, et ça me donne des frissons. J'arrive pas à voir ça, limite ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Par contre, il y a plein de personnes qui disent « Non, moi, c'est comme une berceuse. Moi, avant de dormir, je mets ça, je m'endors. » Et moi, je sais pas comment vous faites. Hein. Déjà, en général, si quelqu'un mâche fort, et ça me dérange d'une façon. Et vous imaginez même pas. Donc, imaginez le son x10. Moi, je peux pas. C'est ma phobie. Limite, c'est ma phobie. Ensuite, je trouve que... Après, ça, c'est un peu...
normal, je pense. Mais selon moi, les pâtes hein, avec du ketchup, c'est... Je me dis, mais comment vous pouvez faire ça? Ça, je dis pas ça aux Italiens, parce que nous, les Italiens, on respecte nos plats, vous voyez. Moi, dans ma maison, chez mes tontons ici qui habitent ici, que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, on n'a jamais, et je vous jure, j'ai jamais mangé des pâtes avec du ketchup. Après, chacun ses goûts, vous voyez, je ne juge pas, mais c'est un peu bizarre. Pour moi, c'est impossible. Voilà. Ensuite, j'aime pas les chats. Je déteste les chats. Je ne les aime pas. Et quand je dis ça, les gens me disent « Non, mais comment tu fais? Mais non, mais les chats, ils sont tout mignons. » Excuse-moi. Ils sont quoi? Pas chez moi. Ensuite, je pourrais pas vivre dans une grande ville. Non. Moi, je pourrais pas. J'y arrive pas, en fait. Je suis bien dans ma petite ville. Tout est concentré, vous voyez. Tout est... Donc je pourrais pas vivre dans des grosses villes, dans des grandes villes, non. Ensuite, j'aime pas le miel. J'aime pas le miel, ça me dégoûte. Genre si c'est pas strictement nécessairement que c'est une question de vie ou de mort, je ne vais pas manger, c'est pas bon. Je sais pas, les gens qui mangent ça comme ça, je sais pas. Ensuite, j'aime pas le Nutella. J'aime un peu, mais genre j'aime pas trop. Genre je peux manger ça dans une tartine, vous voyez, j'en fais une, deux, c'est fini. Après, par exemple, ça, la dernière fois que j'en ai mangé, ça fait un an et demi, pour vous dire que pour moi ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une nécessité. J'aime pas, mais j'ai des potes qui prennent la cuillère et ils mangent ça comme ça, vous voyez. C'est comme quand tu manges un yaourt, ils font ça avec le Nutella. Non, je sais pas, peut-être ils auraient des traumatismes. Pour moi, c'est pas normal. Je sais pas. J'aime pas du tout. Ensuite, j'aime pas les gâteaux, genre les trucs sucrés. Par exemple, les gâteaux trop... avec trop de choses. Par exemple, vous voyez les gâteaux qui ont l'intérieur du Nutella, qui ont des Kinder, ils ont ça, il y a ça. Tu ouvres, il y a du chocolat qui coule. Et il y a des gens qui mangent ça. Qui trouve ça bon? Non, je peux pas. Ensuite, pour ce qui concerne mon côté congolais, une chose que tout le monde aime, tout le monde, hein, et que moi je n'aime pas, c'est le safou. En fait, ça n'a pas de goût. En fait, je sais pas comment vous pouvez aimer ça, parce que ça n'a pas de goût. Et les gens, comment ils aiment, comment ils sont fans de ça. Comment vous pouvez aimer ça, genre, je sais pas. Et voilà, voilà mes opinions impopulaires. Franchement, dites-moi si vous en partagez avec moi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui pensent comme moi. Je pense pas être la seule à penser que les safou n'est pas bon. Je pense pas être la seule à penser que les frites du McDo et la glace du McDo, c'est parfait ensemble. Donc dites-moi en commentaire, franchement, si vous pensez comme moi. Ou vos opinions impopulaires. Et je vous jure, pour apprendre ce mot-là, comment j'ai galéré. Bref. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi si vous avez des suggestions, des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, des maquillages particuliers ou bien des vidéos Let's Talk About It, je sais pas. Comme j'ai un peu changé les concepts de ma vidéo, je vais pas que faire de maquillage ou maquillage parce que je faisais que ça. Je vais m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc si vous voulez n'importe quoi, vous me dites, je vais essayer de faire. Si je fais pas, c'est que parce que c'est compliqué, mais je vais m'arranger pour le faire et tout. Comme je pense que comme c'est vous qui vous regardez mes vidéos, c'est le minimum, vous voyez. Je pense devoir avoir votre point de vue ou vos retours, en gros. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus en masse. Des commentaires, comme je vous ai dit, n'importe quoi, n'importe quel sujet. Si vous avez des suggestions, whatever, feel free to tell me. Abonnez-vous à la chaîne surtout et activez la cloche des notifications qui vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Très important à ne pas négliger vraiment. Et partagez la vidéo avec qui vous avez envie, si vous avez envie de la partager. Donnez de la force, ça fait plaisir, bien sûr. Et je pense que c'est tout. Et voilà, take care of yourself. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao!